Nous allons prier de vous, Seigneur, pour nous, 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 p
Que la flamme de l'esprit monte, que la flamme de l'esprit monte, soit lumière à nos mains.
Nous, la flamme de Saint-Esprit de Dieu est allumée à toi maintenant. Laisse le Seigneur Jésus allume ta flamme, la flamme de Saint-Esprit de toi. La flamme est allumée, est allumée, est allumée, est allumée, est allumée. La flamme monte, la flamme monte, la flamme monte, la flamme monte, la flamme monte. Reçois, reçois l'Esprit de Dieu, reçois l'Esprit de Dieu. Jamais qui s'élève, qu'elle soit une femme de vérité, qu'elle parle la vérité, qu'elle vive la vérité et qu'elle défende la vérité au nom de Jésus. Je prie également pour Dieu, qu'acceptez maintenant, lui soit donné les sujets du sel de l'évangile, et tu fais des lignes déterminées pour l'évangile, tu fais des lignes déterminées pour annoncer l'évangile, tu fais des lignes gagnées dans le Seigneur, au nom de Jésus. Que les deux ciels s'embrassent, en plein temps, au nom de Jésus. Je prie maintenant, que tu aies à ta main, au chant, Seigneur Jésus, le bouclier de la foi, le bouclier de la foi, le bouclier de la foi. Qu'elle tienne ferme devant les persécutions, qu'elle tienne ferme devant les tribulations, qu'elle reste attachée à celle d'un crime, qu'elle reste attachée à toi, qu'elle ne retourne pas à son folie au nom de Jésus. Au travers de ce bouclier, Seigneur, qu'elle éteigne tous les traits enflammés du malheur au nom de Jésus. Et maintenant, Seigneur, je prie maintenant, qu'elle reçoive à son grand droit, Seigneur, les reçoive à son grand droit, les traits de nous, les paroles. Alléluia. Comme une lumière. Alléluia. La lumière du lion a fumé le sudat. Jésus. Alléluia. Va Jésus. Elle a vu une lumière. Voilà son trésor. Alléluia. Le Seigneur l'a renommé. La Marie, le nom de Marie. Alléluia. Alléluia. Jay, Alléluia. Ben, ça commence à chanter. C'est fini. Chopez. C'est pas terminé là. Alléluia. Sœur Jaël. Alléluia.
sais qu'aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour toi. C'est un jour très spécial. C'est un jour comme les autres. C'est un jour où tu meurs à Jésus. Et tu souffres la vie. Lorsqu'on va te plonger dans cette ta vieille nature va partir dans ton courant que tu vois. Et lorsque tu vas sortir, tu seras une nouvelle personne. Et tu dis quoi? Tout le vieil homme que tu as avant toi, tu dois aller. Maintenant, est-ce que réellement tu es prêt à t'engager dans le ciel? Le ciel est témoin que tu es prêt. Alléluia.
Jesus.
Vous faites des grandes choses pour moi. Je ferai des grandes choses pour vous. Papa, je prie mon Dieu que tous ces dons, mon Dieu, puissent. Papa, manifeste tous ces dons en elle, mon Dieu. Oui, son don est guérison, papa. Manifeste tous ces dons, mon Dieu, pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire, mon Dieu. Oui, elle imposera les mains aux malades, mon Dieu. Les malades guériront à l'instant. Oui, papa. Donne-lui, mon Dieu, mon roi, de manifester tous ces dons, Seigneur, mon Dieu. Reveille encore puissamment, mon Dieu, tous ces dons, mon Dieu. Au nom de Jésus. De blanc quelque part devant juste avant qu'on lui plonge et quand le Seigneur et quand par sa grâce on l'a plongé et qu'on l'a ressorti elle avait d'abord le noir il voyait d'abord le noir puis elle a vu la lumière. Merci à Jésus.
Choses que vous devez maintenant changer en vous. Et maintenant, tu vas ouvrir, tu vas nous dans la devant. Cependant, vous savez que lorsqu'on est une nouvelle personne, on est une nouvelle créature, les attitudes là, les vieilles hommes, les anciennes attitudes qu'on avait là, nous ne devons plus les manifester. Alléluia. Et cependant, il y a une parole que marcher selon l'esprit, Jésus n'a compris pas que Jésus marchait. Vous devez maintenant marcher selon l'esprit. Alléluia. Yeah. Maintenant, quels sont ces fruits de l'esprit par lesquels vous devez marcher? Alléluia. Galates 2, ça c'est Galates 5, verset 22. Pour les fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22. Alléluia. Dit la parole de Dieu avec respect. Amen. Amen. Mais le fruit de l'esprit, alléluia, c'est l'amour. L'amour. La joie, la joie, la paix, amen, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Amen. Voici alors tous les fruits de l'esprit à lesquels vous devez marcher et vous devez les mettre en pratique. Alléluia. Vous devez les mettre en pratique. Il y a plusieurs plaisirs que la chair a. Alléluia. Vous ne devez pas mettre en pratique les plaisirs de vos chairs, de votre chair, mais les plaisirs de l'esprit qui vient d'énumérer. Alléluia. Amen. Donc, vous devez tout faire pour ne plus rentrer à vos vomissures, retourner au vieil homme. Non. Alléluia. Maintenant, le ciel vous reconnaît.
vos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Il y a la joie dans le ciel maintenant. Alléluia. Maintenant, vous devez faire l'œuvre. Vous devez faire l'œuvre de Dieu comme tout enfant de Dieu. Tu l'as dit quoi? Beaucoup plus dans l'évangélisation, annoncer l'évangile, gagner encore des âmes au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est la mission de tout enfant de Dieu. Exactement sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, nous en remercions au Seigneur Jésus-Christ dans la rue. Alléluia. Tu m'as oui. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Qui avait été rebaptisé pour savoir. Je voulais savoir si c'est on va lire ensemble. Colossiens 3, verset 1, je vais lire dans la grâce de Jésus. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire que maintenant, c'est le ciel qui vous sert. Le ciel, encore le ciel, tout ce que vous devez faire, c'est pour vous à ce but-là. Le ciel, gagner les âmes pour le ciel, se préparer pour le ciel. Comment savoir davantage ce qu'il faut faire pour aller au ciel, se conforter dans la marche chrétienne, se préparer pour le ciel. En fait, nous sommes, la Bible continue, vous verset dans les endroits. Affectionnez-vous vos choses d'en haut. Satan va essayer de nous distraire avec les choses, avec les distractions de la terre, avec ce qui va mettre sous pied. Non, il faut faire ceci, non, il faut ça, non, il faut ci, non, il faut ça. Mais restez concentrés sur le ciel, affectionnés sur vos choses. Quel que soit ce que nous aurons à faire sur la terre, oui, on a des besoins, mais que tournons toujours tout cela pour s'accomplir par Dieu. Si nous travaillons, c'est pour Dieu qu'on travaille. Si on a de. On, le Seigneur permet que nous ayons. De quoi nous nourrir, tout ça, ça doit servir Dieu. On doit toujours avoir le ciel en notre vie. Donc, concentrez-vous sur le ciel. Affectionnez vos choses en vous. Serge, soyez animés de cet amour-là. Le ciel est toujours le ciel. Ne vous laissez pas distraire par les pieds de la terre parce que Satan est toujours le ciel. Alléluia. Jésus. Alléluia, parce qu'elle va ajouter. Alléluia. Amen. Le Seigneur est tellement merveilleux. Amen. Vraiment pour ce qu'il a fait dans votre vie. L'engagement que vous avez fait, ça c'est le jamais vu. Parce que beaucoup de personnes sont dans les ténèbres, beaucoup de personnes sont dans l'ignorance. Mais ils n'ont pas fait cet engagement que vous venez de faire. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose comme conseil. Parce que lorsqu'on sort du baptême, voilà, je vais vous prendre l'exemple de l'image lorsque le peuple israélite était en Égypte. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. La mer Rouge symbolise quoi, le baptême. Voilà, voici le baptême lequel vous venez de. Et traverser le baptême authentique, le baptême validé par le ciel, amen. Le baptême au nom du Seigneur Jésus, et c'est le seul vrai baptême qui est attesté par le ciel, amen. Et c'est ce baptême que vous venez de le faire. Voilà, comme le peuple israélien était dans le désert, voilà, lorsqu'ils sont sortis des eaux du baptême, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, une fois maintenant, la marche dans le désert a commencé. Alors, la marche dans le désert, c'est quoi? C'est la marche chrétienne, comme vous venez de sortir des eaux du baptême, la marche chrétienne commence. Et la marche chrétienne est accompagnée des obstacles. Il y aura des obstacles que vous allez rencontrer. Il y aura des difficultés que vous allez rencontrer. Il y aura des moments difficiles que vous allez rencontrer. Voilà, l'engagement que vous avez pris maintenant, ça c'était devant le Seigneur lui-même, devant les saints anges, devant la nature, même les démons, même le monde des ténèbres étaient au courant que voici celle-ci qui a pris l'engagement de suivre le Seigneur Jésus. Voici celle-ci qui a pris l'engagement de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le monde des ténèbres vont alors s'élever avec les persécutions et autres. Voilà. Maintenant, la persécution, c'est normal. Le Seigneur Jésus-Christ a permis. Voilà. Tous les vrais enfants de Dieu, tous les élus, à cause de la sainte doctrine, à cause de la parole, de vérité, à cause de l'évangile pur, de l'évangile authentique, sont toujours persécutés. Alléluia. Amen. Sont toujours persécutés. Parce que si nous sommes persécutés, si les enfants de Dieu sont persécutés à cause de la sainte doctrine, c'est effectivement que vous êtes sur
le chemin de la vie éternelle. Alléluia. Vous êtes sur le chemin de la vérité. Vous êtes sur le chemin étroit. Et ce chemin étroit est resserré. Il y a beaucoup de difficultés. Et le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il y a peu de gens qui vont y entrer. Alléluia. Peu de gens qui vont y entrer. Maintenant, parmi le peu, le Seigneur veut que vous soyez aussi parmi le peu là. Alors, maintenant, il dit à la fin que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Et on persévère, c'est lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a les obstacles. C'est quand il y a les obstacles, quand il y a les persécutions et autres, qu'on puisse parler de persévérance. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est à vous. Maintenant, chacun doit porter sa croix. Jésus-Christ a payé le grand prix sur la croix à Golgotha pour vos péchés. Maintenant, c'est chacun qui doit véritablement porter sa croix pour hériter la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est ça, cet engagement que vous nous venez de faire, c'est ça le véritable engagement. Nous le baptême au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. C'est ça que le Seigneur veut que chacun puisse le faire. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.